Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Passmaillon, on est parti pour la suite du défi Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Même si le défi est déjà échoué, et on se retrouve cette fois-ci pour la saga ultime. Mais non, c'est pas la ultime, la saga spéciale c'est la ultime. Là c'est la saga alternative. Une saga très étrange. Sangoku, ah Kaioshin! Puisque tu t'es occupé de ce monde, je me suis dit que je pouvais te rendre l'appareil. Bon, mais Kaioshin, c'est un espèce de dieu, hein. Des six planètes, un peu comme Kaio, je crois, un truc du genre. Un monde que je ne connais pas. Exact, il y a plein de mondes que tu ne connais pas. Si tu veux, je peux te guider, non. Ces mondes, Kaioshin, c'est formidable. Allons-y, sans attendre, je suis excité à l'idée de combattre encore un adversaire fort. Comme d'hab, quoi. Et voilà. Le duel de rêve Sangoku contre Harale. Voilà, c'est... Je crois que de base, y a pas ça. C'est des trucs rajoutés. C'est bien sympa. Un peu du même style que dans Dragon Ball Z Budokai 1. Il y avait... quelques scénarios un peu changés. Si on finissait le jeu en entier avec le scénario normal du manga... Et là, par la suite, on pouvait aussi jouer Freezer après, par exemple, qui réussit en fait à vaincre Sangoku et on voit comment ça se passe comme ceci, quoi. Et c'est vraiment pas mal. C'est intéressant. Et d'ailleurs, on fera comme ça hein, pour le défi de Dragon Ball Z Budokai 1. Je pense que je ferai jusqu'au cyborg, là, à Cell. Et on fera bien sûr... On fera bien sûr le moment avec Freezer, puisque c'est un grand moment. Ça me fait marrer à chaque fois, c'est ce mode d'histoire. Freezer qui bat Sangoku. Ça aurait pu se passer comme ça. Hein. J'adore la musique à la fin en plus quand on bat. Les musiques sont pas mal encore dans Budokai 1. C'est à partir de Budokai 2 que c'était de la merde. Hein. Ouais. Alors t'as toujours une musique dans l'intro où ça va, mais après voilà. C'est pas terrible comme là. Hélas. Je pourrais au pire vous mettre en fond les thèmes originaux, mais le problème c'est que bah, vous aurez plus les voix. Les voix de Jap sont magnifiques. Sauf de Harale. Oh là là, un bras de fer encore. J'aime bien les bras de fer. J'aime bien les pierres feuilles papier ciseaux aussi. Référence à comment ça s'appelle déjà? À la Master System avec Alex Kidd. Aussi, perso, moi j'ai jamais connu la Master System. Et vous allez rire, mais je l'ai connu il y a 2 ans, je crois, oui. J'avais cru que la Mega Drive, il y avait que la Mega Drive, c'était la première console, voilà, de Sega avant. Non, bien sûr, il y a le Master System. Mais bon, c'était un peu une boost, donc je comprenais pourquoi je la connaissais pas cette console. Mince. J'ai connu grâce à un pote qui l'avait. Et il disait que Alex Kidd, bah, c'était le meilleur jeu là-dessus. Bah, en même temps, c'est un peu le seul. Heureusement que j'ai l'image Ray maintenant. Et voilà. Harale est morte. J'ai failli me faire tuer. Il dirait que c'est terminé. Je suis fatigué maintenant. Il y a un peu... Comment dire, j'ai l'impression que c'est repris de aussi Dragon Ball sur DS. Il y a un jeu de Dragon Ball sur DS et... Il y a aussi un moment où on doit combattre Harale, mais c'est un peu n'importe quoi car Harale elle a je sais pas combien de vie. Mon papy a dit qu'il fallait être gentil avec les filles. Et bon là c'est un peu un robot. Hein. Vous voulez peut-être dire qu'elles sont si fortes qu'il ne faut pas les, bah, les emmerder. Je pense pas qu'il dit emmerder mais c'est pas grave. Je ne suis pas sûr de comprendre. Voilà. Sangoku. 12 ans. Ah, corps ultime. Qu'est-ce que c'est que corps ultime? Sans doute le corps de Cell. Cell ultime.
Vous avez gagné celle ultime en finissant le jeu. Maintenant, débloquez Freezer en faisant tout le jeu en difficulté max. Alors, cyborg attentionné, c'est l'histoire de deux gentils cyborgs. Bon, bien sûr, C16 de base, il est pas là. Mais bon, sinon Frankenstein, Frankenstein, je sais pas, je l'appelle comme ça moi. Je sais plus comment il s'appelle, le cyborg créé pour éliminer Sangoku. C16 retourne dans le passé lorsque Sangoku était enfant pour l'affronter et le vaincre. Mais cette fois, un ami cyborg vient en aide à Sangoku. C'est là qu'on va combattre avec. Comment il s'appelle là? Bah, je sais pas. Il s'appelle Frankenstein. Il a la gueule de Frankenstein, vous allez voir. Bon, pour les fans, vous allez tout de suite le reconnaître. Vous allez sans doute connaître son nom aussi. C'est vraiment, il y a des persos de Dragon Ball. Je me souviens plus de leur nom. Dans Dragon Ball Z, je me souviens presque de tous les persos, mais. Dragon Ball, il y a juste deux têtes. J'arrive à les reconnaître, mais. C'est tout, quoi. J'arrive pas à reconnaître. À me rappeler de leur nom. Mais bon, lui, ça doit être Frankenstein ou un truc du genre. Il donne des coups de boule. Ça, je suis tellement puissant. Ah, les cyborgs ne peuvent pas recharger leur Kai. Ah, ils rechargent automatiquement comme ça. Ils montent très lentement, c'est ça le problème. Ah, c'est le point faible des cyborgs. Bon, moi on se dit qu'on fait presque jamais Z quoi pour recharger le Kai. On peut le recharger que quand bah on est en puissance max quoi. Quand on a tout le Kai jaune et qu'on peut se mettre en puissance max. Il fait que de s'enfuir. Ce fourbe. Bon, de base, C16 défonce complètement Frankenstein. Oh bah d'accord, j'ai que ça en vie. C'est n'importe quoi. Purée, je me suis fait troller là. C'est quoi ça? Bon, moi, Sangoku, il est bien plus fort. Il va faire son pierre, feuille, papier, ciseaux. Quand même, Sangoku contre C16 quand même. Là c'est assez incroyable. C'est comme mettre Sangoku contre C16. Je veux dire Sangoku petit contre C16. C'est comme mettre Sangoku petit contre Cell. C'est quand même incroyable. Qui aurait pas rêvé de voir Sangoku petit se faire défoncer par un personnage de Dragon Ball Z? Purée, non! Il m'a attrapé! Oh non, je vais crever! C'est pas possible! Il m'a complètement défoncé. Ah, mais d'accord, je suis même pas mort. Bon, bah. Comment oses-tu faire du mal à Sangoku? Tu l'as tué! Medone, ne parle pas de ça. Quel est cet étrange pouvoir? Cet étrange pouvoir? Courage, fuyons! L'étrange pouvoir! On va avoir une défense de fou grâce à cette technique. Enfin, je me suis fait complètement larguer par C16. Hein. Ce qui est logique quand même. Mais normalement, je me débrouille mieux avec Sangoku. Je suis trop fort moi avec Sangoku, je comprends pas. Je suis aussi fort que dans la précédente vidéo, là, pas celle juste d'avant, mais en Dragon Ball GT. Je me débrouille super bien avec Sangoku, j'ai des super combos. Là, je sais pas, j'ai fait de la merde dans la précédente vidéo et c'est un peu pareil là. Non, tu n'auras pas ton gain de puissance. Allez, prends ça, je te retourne. Oh là là, le gros coup de pied dans le bide, ça fait mal. Même au cyborg, ça fait mal. Ah, le magnifique vert. Un mur vert. Quelle esquive! Frankenstein n'a jamais été aussi vif! Ah là, mais qui va gagner? Le grand classique là, Frankenstein! Du livre, je sais plus quoi! Pour les trucs Halloween! Ou le grand C16 venant du futur!
Cécile se fait un peu défoncer. Bon, je vais faire une petite attaque là. Je crois qu'il suicide hein, quand on fait son attaque ultime. Donc c'est un peu de la bouse. Enfin, je crois, je suis pas sûr. On va voir ça. Hein. Bon, bah, de toute façon, lui, il va mourir. C'est juste pour voir vite fait. C'était ça son attaque ultime? J'ai pas compris, hein. J'ai pourtant fait Z arrière Y. Ça fait comme si c'était plutôt Z avant Y, non? Tu as réussi, Son Goku. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Je me suis fait un peu rétamer la tronche, hein. Mais lui alors? Est-ce qu'il va être notre deuxième ami? Mais il est signé d'eux. Franky, ce n'est pas incroyable de savoir qu'il existe des gens comme lui sur cette planète? Avec une crête orange. Je dois montrer les plus durs pour être capable de le battre seul la prochaine fois. Bon, de base, Frankenstein et Sangoku, ils sont incapables de battre C16, hein, qui tient tête à celle première fois. Sangoku, tu es épatant. C'est incroyable. Tu es amazing. Je suis une machine, pas une personne, mais il existe certains mystères en ce monde. Les oiseaux m'intéressent. Je vois. Qu'est-ce que c'est? Mon cœur métallique. J'ai hâte de revoir Sangoku. Mais... mais... d'accord. Mais... et c'est tout. Voilà, c'était la fin de ce scénario. Très palpitant. De C16, le beau gosse. Avec les petits oiseaux. Ah, la nature. C'est ce qu'il aime plus, C16. Tout à fait... c'est vraiment un cyborg. Hein. Et voilà, combat galactique. Ah, là, il va y avoir un combat du même style dans la saga spéciale. Sauf qu'on va contrôler Bardock. Dans son nom en VF, c'est Badak. Mais Badak, ça fait plus ridicule qu'autre chose. Alors, les Saiyans ont uni leurs forces et ont défié Freezer. C'est la guerre totale entre les Saiyans et l'armée de Freezer. Et là, il y a le père de Vegeta, je sais plus son nom. On dit toujours père de Vegeta. Voilà, c'est son nom. Alors, les Saiyans travaillant pour Freezer ont découvert un secret. Freezer les craint et il a prévu de les éliminer. Bon, si vous n'avez pas vu l'OAV de... le dernier OAV de Dragon Ball Z, bouchez-vous les oreilles, parce que je vais vous dire un truc incroyable. Le père de Vegeta a rencontré le dieu de la destruction. C'est le petit chien qu'on voit dans le dernier OAV. Sangoku qui combat contre un chien, ça va être encore plus palpitant. Ça sera dans le prochain Dragon Ball Z. Tenkashi. Ouais, il y a déjà Vegeta qui s'emballe. Mince, il attaque alors que le gros des forces de Freezer manque à l'appel. Kiwi. Mon dieu, le personnage le plus charismatique de la série. Kiwi, encore plus charismatique que Tortue Géniale, c'est incroyable. Bon, c'est un personnage dont on se fout complètement. Je sais pas pourquoi il a été mis dans le jeu. Allez, dégage. Un personnage avec une force de merde. Je pourrais pas vous dire le nombre de la force, là, 1600, 2000, des conneries comme ça, mais... en tout cas, je sais une chose. Je sais quelle est la force de Hercule. 1. Mince, je me fais défoncer. Mudada. Mais non, c'est pas possible. Et après il dit Mudada. Il dit que c'est inutile, mais il se fait défoncer après. Sacré Vegeta, hein, il se la pète et tout. Il se montre plus fort qu'il ne l'est en fait. Ouais, on va descendre tranquillous.
Fury. Le problème de cette arène, voilà, c'est qu'on voit pas grand chose. Ah, j'ai pas réussi à faire la dernière téléportation. Magnifique contre de Vegeta. Voilà, voilà, j'aurais dû jouer comme ça avec Sangoku, purée. Des contres et tout. Là, c'est la classe. Une téléportation. Un canon Garrick dans la face d'un coup. Et voilà, on n'en parle plus. Et il tombe sur la planète Vegeta. Ah. C'est parti. On est contre Rose Bonbon. Un nouveau personnage de Dragon Ball Z. C'est... Il vient d'un OAV. Bien des épisodes en vrai, mais j'ai pas envie d'en parler tellement qu'il est moche. Mince. Et avec d'ailleurs un gars efféminé, encore une fois, ils aiment bien les efféminés hein, dans des fois, les Japonais, je sais pas pourquoi. Voilà, un autre gars efféminé là. Qui a des cheveux verts. Je ne sais plus son nom. Bon, c'est les personnages un peu secondaires, quoi. Voilà, c'est Doria, je crois. Puis après, ça va être... Purée, je me souviens plus de son nom. Un subordonné de Freezer. Voilà. Enfin... Un soldat de Freezer, quoi, tout simplement. Purée. Vous voyez encore une arène quand même assez belle, hein, même si elle est assez assez vide. Mais bon, on est un peu obligé, on est dans l'espace, hein, c'est vide l'espace. Voilà, avec la planète Vegeta en dessous qui est magnifique. De toute façon, on n'a jamais réussi à faire mieux maintenant, même sur console HD, c'est assez incroyable, ils n'arrivent pas. Bandai n'arrive pas avec la HD, voilà. C'est ça que j'ai envie de dire. Ils arrivent même à rendre les jeux encore plus moches. Battle of Zed. Battle of Zed. Par exemple. Alors, comment il s'appelle, lui, déjà? Nous allons le voir dans les sous-titres. Purée, mais il nous fait toujours des attaques énergétiques. On va changer de perso au bout d'un moment, mais... Là, c'est pas trop le moment, parce que là, je suis en train de le défoncer. Je crois qu'il va se transformer au bout d'un moment. Il va devenir un beau gosse. Parce que là, je le trouve pas assez beau, tu vois. Enfin, vous voyez, c'est... Il a pas la classe, là. Il va avoir la classe quand il va se transformer. Je crois que je peux faire vague d'énergie avec Vegeta, donc si jamais je suis dans la merde, vu que j'ai pas beaucoup de vie, on fera peut-être ça, hein. On va spammer la vague d'énergie, non? Vague d'énergie! Enfin, vague explosif plutôt. Ah purée! Prends ça dans le bide! Recrache toutes les spaghettis que t'as mangé ce matin! Parce que eux, ils ont pas de petit-déj le matin, les extraterrestres. Encore, ça devient vraiment pourri les commentaires. Vegeta qui défonce complètement notre pote. Je ne sais plus comment il s'appelle. D'ailleurs, dans l'animé, bah, à un moment il se transforme, ouais, il devient plus puissant, mais il n'arrive pas à battre Vegeta. Vegeta est toujours plus puissant. Avec son canon Garrick. Et là il préfère s'enfuir. Et laisser place aux femmes. Car c'est un homme galant. Purée. Mais il m'enchaîne. C'est pas possible, j'aurais dû garder Vegeta. Parce qu'elle, elle est vraiment pourrie. Oh non, l'attaque tout pourrie. C'est la comète rose. Voilà. Là, tu sens qu'elle est en furie, là, c'est... Une femme saïenne, hein, c'est puissant, quand même. Elle fait des coups de boule.
Elle attaque dans le vide. Ok. Il y a l'autre, le Nigo qui tourne autour de nous. Ça. Allez, on recharge un peu Ikai, on va faire son attaque ultime. Non. Voilà, on va un peu l'enchaîner. On peut faire ça quand on est en phase puissance max. Voilà, on enchaîne. On fait une belle attaque hein, pour le spectacle et il m'a quand même contré. Bon, je vais changer de perso parce que je crois qu'après on est obligé de la garder si on tue direct le perso, là, notre adversaire. Et j'ai pas envie de la garder, je préfère prendre Bardock qui est beaucoup plus puissant. Voyez-vous ça, un autre Saiyan mal poli, dire que je commençais tout juste à m'abuser. Ah, et c'est là qu'il va se transformer en beau gosse. Attention les yeux, ça peut faire peur. La ferme, c'est moi ton adversaire désormais. Ok. Il se transforme déjà, purée, mais il a peur au bout d'une seconde. J'ai lancé une vague d'énergie et c'est bon. Ça y est, là, il s'excite. Dans ce cas, tu vas bientôt savoir ce que c'est d'avoir peur. Et voilà la transformation du beau gosse. J'adore son design. Hein. Ah purée, non! Oh là là, 15 000! C'est pas possible! C'est un super Saiyan ou quoi? 15 000, c'est pas possible ça! Attends, j'aime bien son attaque au cac là, celle-là. Vengeance finale. Ah, il fait à peu près une attaque comme ça aussi dans l'OAV. Un OAV qui est franchement sympa. Je vous conseille de le regarder. Je vais pas spoiler parce qu'il est sympa en fait. Les OAV pourris, je les spoil, mais les bons OAV, il vaut mieux pas les spoiler. Même si on va un peu, on va dire, spoiler en faisant le jeu. Là. Une petite vague d'énergie. Purée! Non, c'est pas possible! Je vais crever! Il vaut mieux s'enfuir. Bardock, je vais le combattre avec toi! De base, je le défonce complètement, même avec Bardock. C'est quoi cette blague? Qu'est-ce que t'as là? T'es enragé toi? T'es plus fort qu'avant. Bon, c'est peut-être parce que je joue en difficile aussi. Purée. Ouais, mais qu'est-ce qu'il me fait? Il met 3 plombs à attaquer donc j'ai pas réussi à me téléporter. Parce que j'ai pas eu le bon timing. Bon bah c'est bon. T'as pas assez le temps de lâcher ton énergie. Bon, on va se mettre en puissance max si on a le temps. Là. On va lancer quelques rayons d'énergie magnifiquement beaux. Il comprend plus rien à sa vie. J'ai dû le dire 1000 fois ça. Purée. Non. Ok, on se protège, hein. C'est toujours mieux de se protéger. Ah purée, non, je me souviens, cette attaque elle est pourrie. Sauvagerie. Parce que les Saiyans sont sauvages. Ah non. Oh purée, j'ai failli crever. Bon, je préfère garder mes distances. Voilà, faire ça. Mais non, mais c'est pas possible. C'est qui ce type? D'accord. Facha, tiens bon. Bardock, tu dois gagner. J'ai faibli. Freezer, tu dois la servir. Je veux dire, le tuer. Voilà, que d'émotions. Hein.
Ouais, plutôt féminine pour une petite Saiyenne. Ok, c'est quoi cette phrase? Mais ne t'en fais pas, tu la rejoindras bientôt. Sinon, c'est espèce de salaud. Oui, c'est les traductions japonaises. On n'y peut rien. On a l'impression que les Japonais ils disent que des gros mots. Quand on lit les traductions en VOSTFR, c'est toujours saloperie. Non, eux ça va être genre enfoiré. Alors que nous ça va être imbécile. C'est un peu moins violent. Alors, en japonais c'est fait chier, alors que là c'est en fichtre. Je bats Freezer. Veille sur moi depuis l'autre monde. Il connaît déjà l'autre monde. Et Freezer ne va pas se transformer hein, dans cette. Dans ce combat épique. Seigneur Freezer, il est là, il est beau, il est petit, c'est Seigneur Freezer. Ah purée, non, quand je le touche, ça lui fait pas grand chose. Ok, l'attaque de rayon tout pourri. Et un gros coup dans le bide. Ah purée. Et qu'est-ce qu'il a? Il s'excite. On va recharger notre caillou max parce que là, je peux pas lui tenir tête comme ça. Purée. Est-ce qu'on peut faire vague d'énergie? Je crois que c'est juste sauvagerie avec Sangoku. Ce Bardock. Bon, c'est le père de Sangoku et il a exactement la même skin. La sauvagerie, c'est bon. On peut un peu recharger notre caillou. Purée, mais c'est pas possible. Mais... calme-toi, Freezer, calme-toi. Il est surexcité, il met des baffes. C'est assez incroyable. Ça! En douille! Ouais, bon, il a perdu un peu de vie, on va changer de perso. En facile, je défonce complètement avec Bardock, mais... en difficile, c'est autre chose. Que faites-vous? Je vais te tuer, Freezer. Tu es le dernier survivant. J'espère que tu es prêt. Bon, de base, il balance direct sa boule d'énergie sur la planète Vegeta. Freezer, mais là, il a la flemme. Il n'a peut-être pas assez d'énergie. Je ne crois pas, il a esquivé. Bon, le père de Vegeta, il est un peu mou, hein. Donc, pardonnez-moi si je joue mal. Pourtant, c'est le roi des Saiyans. C'est un peu une bouse. Mais j'y crois pas, il titube pas. Il a pas envie de tituber. C'est là qu'il va tituber quand je suis en puissance max. Ah purée. Sauf s'il esquive à chaque fois. Alors, un gros coup de pied. Ah purée, mais il se téléporte mille fois. C'est pas possible. Et Vegeta, c'est une bouse en téléportation. Enfin, le père de Vegeta. Parce que c'est un perso un peu lent. Même très lent. Allez, viens vers moi. Et voilà. Bon, je suis quand même mal parti. Hein. J'ai plus de vie. Lui, il a toute sa vie. Voilà quoi. Non, mais. Arrête de me tirer des boules d'énergie. Et puis, et je peux même pas remplacer une. J'y crois pas, mais. C'est téléportation, man. Je me suis fait défoncer. Mais il y a encore un espoir, une once d'espoir. Vegeta,
qui est 10 fois plus fort que son père. Je vois, je n'en attendais pas moins d'un Saiyan. Heureusement, tu as du mal à dissimuler ton épuisement après tous ces combats. Malheureusement. Et puisque heureusement. Quoique, il n'aurait pu dire ça, Vegeta. Un coup me suffira à t'écraser. Meurs, Freezer. Tête d'anguille. Merci. Après, j'ai cru que j'étais en puissance max, là. Je me suis dit, ah, bon, je fonce dessus. Ça, je crois vraiment que je vais crever, parce que regardez ma barre de vie. Moisi. On est un peu mal parti, quoi. Pourtant, je me souvenais que c'était pas une mission difficile. C'était plus simple que les missions qu'on avait de droit dans Dragon Ball. Je me suis fait encore défoncer. Après, toute la vie que je perds, c'est assez monumental. Ça fait aussi mal qu'une attaque ultime alors qu'il a fait une simple attaque au cac. C'est assez incroyable. D'accord, il a encore plus de vie qu'avant, mais c'est quoi cette blague? Bon, je vais passer les cutscenes, ça commence à me saouler. Bardock, c'est toujours plus fort. Dans l'OAV, ils disent que c'est un simple Saiyan débutant. Mais... moi, je crois en la force de Bardock. Hein. C'est un beau gosse. Avec une coiffure complètement... voilà, quoi. C'est pas coiffé le matin. Oh oui, comment je l'ai eu? Oh purée, il va me défoncer sur son vaisseau là. Il s'en fout complètement de son vaisseau, hein, Freezer. En même temps, je crois qu'il l'a payé à 5 zénis. Vu la gueule de son vaisseau, mais je vous fais défoncer. Vague d'énergie, boum! Ça c'est le combo parfait, faut faire à chaque fois ça dans Tenkashi. Ça marche à chaque fois contre l'IA, l'IA est complètement stupide. Faut faire une boule de combo de boule d'énergie pour qu'il puisse plus se défendre. Ça peut marcher sur des joueurs aussi, bon, des fois peut-être. Mais boule d'énergie plus. Bah après on place notre attaque quoi. Notre grosse attaque. Voilà, il rigole, il se moque de nous. Tu vas plus te moquer de moi. Une magnifique explosion. Ça lui a presque rien fait. Et voilà. Voilà pourquoi faut pas attaquer au cac, Freezer. Voilà pourquoi faut pas attaquer au cac, Freezer. C'est la même chose. Et... non, il arrive pas. Bon, on va faire l'espèce de Genki-Dama. Genki-Dama. D'accord. Le Genki-Dama. Qui n'a pas marché. Comment il a fait pour l'esquiver alors qu'il faisait la pleine puissance? C'est pas possible. Et voilà, Freezer a mal au bide et il est mort. Quelle cruelle défaite de Freezer qui n'a même pas pu se transformer. Bardock est trop rapide pour qu'il ait le temps de se transformer. Mais notre race n'est pas morte. Ça se passe pas du tout comme ça en réalité. Carotte, mon lapin, entraîne-toi, deviens le plus puissant des Saiyans. Je comprends pas trop pourquoi il dit adieu mon fils, hein. Peut-être qu'il a été touché. Peut-être qu'il perd son sang, hein. On le voit pas, mais peut-être qu'il perd son sang. Ah, pourtant il reste debout. C'est un dur à cuire ce Bardock. J'aurais aimé que ça se passe comme ça. Hein.
que Bardock soit toujours en vie, qu'il défonce, qu'il marave en 8, ça veut rien dire, mais voilà, qu'il défonce complètement Freezer. L'ennemi snob. Ah, c'est lorsque Mecha Freezer est venu sur Terre. Comment ça? Il est venu sur Terre? Bordel de merde! Mais oui, puisque ils ont sauté ce moment, mais c'est grave. Normalement c'est le grand et puissant Trunk qui vient défoncer en une seconde Freezer. Mais là, non, là c'est une surprise, hein. Attention les yeux. Vous allez voir qui c'est. Un personnage incroyablement puissant de Dragon Ball. Qui a une attaque. C'est un espèce de troll. C'est une espèce de troll l'attaque. C'est une attaque de fou, mais en fait c'est une attaque de merde. Et voilà, c'est Diable Man. Qui es-tu? Quand ce Super Saiyan reviendra sur Terre. Oui. Tu trouveras une montagne de cadavres pour lui souhaiter la bienvenue. Attends une minute, un Super Saiyan. C'est quoi? J'ai hiverné longtemps, moi, pendant les premiers épisodes de Dragon Ball Z. Alors, tu connais Sangoku? Ouais, il a sourire de psychopathe. En vrai, il a une voix de chuchote, je crois, dans la VF. La peur t'aura rendu fou. Et en vrai, il sait pas se battre. C'est juste que, bah, il a une attaque de fou. Oh purée, je pensais même plus à ça, que Freezer ne perd même pas de vie. Non. Mais vu que son cœur est gonflé de haine, comme il le dit si bien, et bah, à Freezer, et bah, il va pouvoir réussir à placer son attaque. C'est une espèce de troll cette attaque quand même. Ouais. Diabolique! Bon là ça lui a rien fait parce qu'il a le cœur pur, mais il aura pas le cœur pur par la suite. Bon, quand même c'est assez incroyable, il arrive à battre un soldat hein, de Freezer. De base c'est une grosse bouse hein, quand même, Diable Man. Il est même plus nul qu'Hercule, hein, moi je dirais. Allez, je te balance ma lance à la gueule. On va se faire vite fait. Ah, il fait défoncer. Il y a plein de coups de pied dans les airs là. Je tape comme une petite fillette. Je me fais battre par un simple soldat de Freezer quand même, c'est assez monumental. Ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il a là, esquivé à chaque fois? Allez, courage fuyon, ça c'est. La plupart des persos de Dragon Ball ont cette technique. Ils savent qu'ils sont faibles contre les personnages de Dragon Ball Z. Ne parlons pas de GT. Avec des ferlantes encore. C'est pas possible, il est en forme. Bon allez, l'attaque ultime. On n'en parle plus. D'accord, il est toujours pas mort. Voyons, ils ont des bons cœurs, eux. Non. Mais c'est quand qu'il crève? Ah ouais. Je lui fais 2 dégâts à chaque fois que je le touche. Voilà, il est déjà presque mort. Face à un petit soldat ridicule. Quoi? C'est mon tour? Je veux pas mourir? Il est peut-être vraiment doué pour avoir réussi à tuer l'un de nos soldats. Bon, il a galéré à tuer l'un de nos soldats.
Eh bien, je m'ennuie tellement que j'aurais bien besoin d'un peu de distraction. Mes yeux brillent d'une lueur rubis. Le son de ma voix va t'hypnotiser. Je vais tricher. En gros, c'est ça. Attaque cheatée. Je vais faire la même chose durant tout le combat. Allez. C'est pas parce que t'as un gros cerveau que tu pourras me battre. Oh purée. Si tu continues comme ça, ta récompense sera la mort. Mais bon, il est déjà mort de base là. Ah, j'ai récupéré toute ma vie. Ça fait plaisir. Quel être répugnant, je crois que je vais m'en occuper personnellement. Ah mais si, les méchants n'ont aucune chance contre moi. Je suis le diable de la justice. Je suis Diable Man. Pauvre imprudent, je vais t'écraser en un clin d'œil. Loupé. De base, dans l'animé, il sera déjà mort, mais... Il est costaud dans le jeu, hein, Diable Man. C'est pas rien. Bah, ce qui est bizarre, c'est que j'arrive à le toucher maintenant. Il perd de la vie maintenant, Freezer. Décidément, on verra non-stop Freezer. Hein. Même dans la saga spéciale, on va le revoir, Freezer. Je pense que c'est quand on va combattre avec... En fait, je m'étais planté en disant qu'on combattait pas avec Bardock. Si on combattait avec Bardock dans la saga alternative. C'est juste que... On voit plus souvent, je crois, Bardock dans la saga spéciale. Ou alors, je sais plus trop, je crois qu'on combat mais avec Freezer. Et on est contre Bardock. Tu pourras toujours te repentir dans l'au-delà. Seuls les fous osent s'opposer au terrible. Et gigantesque, et magnifique, et beautiful, Diable Man. Son aura magnifiquement maléfique. Voilà, Freezer est mort. En fait, Diable Man a le pouvoir de faire exploser les cœurs des méchants. Fibre, Freezer, my son. Même moi, je suis surpris par l'étendue de mon pouvoir. Tu dis que ton nom est Diable Man. Et après, c'est, est-ce que tu veux faire partie de mon équipe? On va savoir quelle arme tu as utilisée pour vaincre mon cher Freezer. Je n'ai besoin d'aucune arme pour cette technique. Cette technique? Oui, mon attaque finale, le rayon diabolique de Diable Man ultime. Tu fais gonfler les cœurs malfaisants jusqu'à ce qu'ils explosent. Ouais, comme ce que je vous ai dit avant. Les cœurs malfaisants? Mais alors? Je vais y passer! Exactement, ton fils n'avait aucune chance. Voilà ce qui nous accueille en arrivant sur Terre. Puisque c'est comme ça, je te tuerai avant que tu aies pu utiliser cette technique stupide. Il a pas demandé de faire partie de son équipe, hein, incroyable. Diable Man aurait répondu oui, hein, je suis presque persuadé. Ouais, parce que dans... Quand Trunk défonce complètement...
Freezer. Bah, le père de Freezer demande après à Trunk de rejoindre son équipe, quoi. Hein, d'être l'un de ses subordonnés et l'un de ses soldats, voilà. L'un de ses bras droits, enfin, d'être son bras droit. Mais bien sûr, Trunk refuse, hein, je pense. Heureusement. Boum! 21 000 de dégâts, ça fait mal quand même. Bon, là, il est paumé, il arrive plus à me voir. Voilà, on va faire encore l'attaque. Il est mort. KO! Bon, j'ai eu beaucoup de mal dans l'épisode d'avant, là. Hein, contre Freezer, là, quand... avec Bardock. Mais voilà. Là, j'ai géré. Ah, comme se montre de Son Goku. Qu'est-ce qui me prend? Je n'ai plus beaucoup de temps. J'ai le sentiment de changer le cours de l'histoire. Mais... oh, et puis après tout, je m'en tape! Ah, tu vas mal finir, bah t'es déjà mort. C'est sûr, hein, t'as mal fini. T'as plus de cœur. Bon, allez. On va passer ça. Je pense que là, c'était le dernier. Ouais, c'était le dernier. C'était le dernier scénario de cette saga alternative. Maître Kaioshin, allons-y. Allons vite dans le prochain monde. Je suis navré, Son Goku, mon rôle de guide est terminé. Je vois, de toute façon, j'ai encore plein de choses à découvrir dans ce monde-là. Ça signifie que je ne suis pas prêt. Je dois m'entraîner encore. C'est un psychopathe. Ça veut dire que tu peux devenir encore plus fort, Son Goku. Oui, merci les compliments, Kaioshin. Ce que vit Son Goku n'était qu'une infime possibilité. Mais les possibilités sont sans limite. Tant qu'il y a des gens pour aimer les boules de cristal... tout change. Voilà, c'est magnifique. Bon, faudrait pas trop que ce soit des humains, par contre, parce qu'un humain contre un Saiyan... on va dire que voilà, quoi. Il y a une petite différence, hein, au niveau de la technique. Moi, voilà. On a fait quand même pas mal de combats en difficile, là. J'ai pas perdu une seule fois, sauf en faisant le con... en moto détruisant, voilà. Quand j'ai joué avec avec Vegeta, en Majin Vegeta. Donc bah, dans le prochain épisode, ça sera la saga spéciale. Et je pense que prochainement, on fera un défi sur Budokai 2, Dragon Ball Z Budokai 2. Ce sera peut-être pas tout de suite après, mais on verra bien. Donc sur ce, je vous dis à l'envoyeur pour de nouvelles aventures.